Je puis vous l'assurer, mes recherches m'ont conduite à penser que nous vivions en parallèle avec un monde semblable au nôtre, à cette différence près qu'il est identique mais inversé. J'ai exposé le fruit de mes recherches à la communauté scientifique, composée de nombre de sommités savantes, et la plupart est d'accord avec moi. Par contre, je ne peux, vous le comprendrez bien, vous prouver mes dires. Cependant, je reste persuadé que ce monde parallèle, si ressemblant au nôtre, existe. Il y a dédoublement total de la matière. C'est une situation dans laquelle chaque atome, chaque molécule est reproduite, à la seule différence que tout est inversé. La question étant, à quel niveau, et je parle bien de différents niveaux, cet autre monde est différent du nôtre. Aussi, comme je vous parle, il y a un autre savant qui me ressemble, qui vous parle au même moment, devant la même assemblée que vous composez, et avec la même stupéfaction qui se lit sur vos visages. Je vous remercie de m'avoir écouté. Tu crois, toi, ce que nous a raconté ce savant ? J'ai du mal à imaginer qu'il y a un autre moi qui, en ce moment, discute avec toi. Si on y réfléchit bien, qu'est-ce que nous voyons ? Vas-y, continue. Nous voyons nos images reflétées. Mais il y a quatre personnes dans cette pièce. Ça pourrait donc bel et bien faire deux mondes différents, mais semblables, car ces reflets sont bien nous aussi. La seule différence, contrairement à ces reflets, c'est que deux mondes coexisteraient. Ça se tient. Mais ce scientifique nous a dit aussi qu'il y avait peut-être d'autres différences. Va savoir lesquelles.